Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Et on prend vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, vois des personnes qui vont stresser. On va être dans le stress, on va avoir des peurs. Je vois que vous allez avoir, vous allez penser mal. Vous allez penser mal, vous allez avoir beaucoup l'esprit dans la négativité, peur de perdre de l'argent, peur qu'on vous vole de l'argent, il y a le stress, hein, il y a le stress professionnel, il y a le stress dans les finances, peur aussi peut-être que pour certains, alors s'il y en a, c'est par rapport au ralentissement, il y en a, ça va être peur aussi qu'on vienne te manger ce que tu as déjà, ou qu'on te vole ce que tu as, ou voilà, il y a ce stress. Qu'on va avoir aussi dans le cœur, on va pas être bien. Je vois aussi sur le plan sur le plan financier, sur le plan professionnel, il y en a, ils vont essayer de grappatouiller ce que toi tu gagnes déjà ou ce que tu vas vouloir gagner. Je vois aussi qu'il y a des femmes assez intuitives. Des femmes aussi qui vont essayer, ou même des hommes qui vont essayer de te prendre ou de te voler ce que tu as déjà dans le cadre professionnel pour s'accaparer à eux ou à elles ce que toi tu as déjà. On va essayer par stress, par peur, par crainte de ne plus eux avoir d'argent ou de ne plus avoir à manger. Voilà, des choses comme ça. Vous allez avoir peur, eux, ils vont avoir peur. Alors toi, tu vas avoir peur de qu'on te prenne ce que tu possèdes ou ce que tu peux posséder, ce qui peut arriver à toi au niveau professionnel, mais ça va être inversement chez les autres. Et tout le monde, ben, va avoir peur. Tout le monde va penser négatif, des uns, des autres, au niveau professionnel, au niveau des rentrées d'argent, au niveau aussi, ben, comme vous voyez en ce moment, il y en a, ils ont peur de plus avoir assez de papier cul, ou de ne plus avoir de pâtes, ou voilà, des choses comme ça. Et tout le monde, et tout le monde va essayer de prendre à l'un, de prendre à l'autre ce que toi tu peux avoir déjà, ou ce que tu peux dans le futur, ce que tu peux avoir. Donc en gros, c'est un truc vicieux ou comme les souris, quoi. Hein, les souris qui viennent essayer de te manger ton gruyère ou de te manger ton papier cul ou de te prendre tes pâtes ou de te prendre ton argent que tu as déjà ou que tu vas essayer durement de gagner. Bon, on parle de choses comme ça entre des hommes et des femmes. Bon. Voilà. Limite, on viendrait te voler ton papier cul chez toi. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Et bon, il y a des gens qui sont vachement établis professionnellement, financièrement. D'accord? Ils sont stables, ils sont ancrés professionnellement, financièrement. Donc, ah, hein, ils ont bien le miel, les récoltes, ils sont à l'abri. D'accord? Cela, il y en a. Et je vois que ben, toi, tu as ton miel, quoi. Tu as ton papier cul, tu as les réserves depuis longtemps de ton papier cul, tu as tes réserves depuis longtemps au niveau de tes pâtes ou de ton riz, tu as fait des réserves il y a longtemps, toi, de tes steaks hachés, des choses comme ça.
Mais eux, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas été prévoyants. Prévoyantes. Alors, ils vont essayer de venir chez toi. Putain, voler ton miel ou ton papier cul ou tes pâtes. D'accord? Parce que toi, tu as été prévoyant dans tes décisions professionnelles, financières et aussi au niveau ben, de tes réserves de papier cul, de pâtes et machin et bidule. Alors, ils vont venir essayer de te voler ton papier cul chez toi, ou tes pâtes, ou ton pognon, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben voilà. Si tu as compris, voilà. Ah, je peux pas te dire mieux, moi. Et puis, toi, on parle que tu es, qu'il y en a certains, ils sont sur le cœur, des personnes sur l'amour, qui feront pas ça, aller voler le papier cul de quelqu'un, ou le riz de quelqu'un, mais eux, ils le feront, hein, parce que eux, ils sont pas comme toi. Eux, ils s'en foutent du cœur, eux, ils pensent à leur intérêt, à avoir du papier cul chez eux, même si toi, tu crèves, que tu peux pas t'essuyer, tu m'as compris, ou que toi, tu ne peux pas manger, ou que toi, tu n'as pas d'argent, ils s'en foutent. D'accord? Et par rapport à tout ça, toi, on parle que par rapport à eux qui pensent vraiment du mal de toi, par rapport à toi, que toi, t'es sur le cœur, toi, tu fais attention, toi, tu ne penses pas comme eux à vouloir leur voler leur papier cul ou leur argent ou détourner ou des choses comme ça. Mais eux, ils le sont. Et pour moi, par rapport à cette situation, faut faire attention aux mauvaises surprises de ces personnes, hein, qui pourraient avoir des projets pour te voler ton papier cul ou ton argent ou détourner des personnes de la clientèle dans le travail. Ils ont des mauvaises pensées dans le cœur. OK? Ils sont pas comme toi. Sache-le. Ils sont pas comme toi. Allez, on va regarder. Ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Hein. Ils veulent te voler ton papier cul. Bon. Donc, on me parle. De ton domicile à toi. Donc déjà, au niveau de ton domicile, tu vois des ouvertures au niveau de ta maison. On va trouver des solutions dans la maison déjà. Il y a des choses où tu veux trouver des solutions, des choses à faire chez toi. Je vois aussi qu'on va vouloir déménager pour certaines. Déjà toi. Mais également des personnes dans ta famille qui vont vouloir déménager. Je vois qu'on va trouver des solutions, autant toi pour un déménagement, pour des papiers administratifs, toi, mais aussi des personnes dans ta famille. Ouais. Alors toi, déjà, côté cœur, je vois des projets. Des projets que tu vas faire déjà chez toi. Donc tu peux être déjà en couple ou avoir l'intention de l'être. Mais déjà pour toi, dans ton domicile, je vois des projets sentimentaux déjà dans la maison. Il y a des choses qui vont se passer. Il y aura aussi des projets, des choses qui changent déjà chez toi, sentimentalement, avec un homme ou une femme. Il y a aussi comme si certains, toi déjà, allaient vouloir trouver une solution pour un déménagement. Mais il n'y a pas que toi.
Il y a des personnes dans ta famille aussi, côté sentimental, ou des nouvelles rencontres qui arrivent, ou alors des personnes déjà de ta famille ont quelqu'un, et c'est pareil, ils vont vouloir trouver une solution déjà chez eux, aussi par rapport à des projets familial, sentimental, mais toi aussi, et des déménagements. D'ailleurs, on parle que toi, déjà au niveau de ta maison, dans tes projets, que tu vas faire chez toi, il y a du soleil, un ensoleillement, tout ce qui concerne ton foyer, tous tes projets dans ta maison, sentimentalement, déménagement, toi, c'est la réussite, mais également tout ce qui concerne ta famille et leurs projets liés au cœur. Il y a le soleil dans tous vos projets. Autant pour toi, tout ce qui concerne ton habitation, tout ce que tu as envie de faire, toi déjà personnellement, mais aussi tes projets liés à la vie, à l'amoureuse, dans ta maison, mais aussi ta famille. Il y a les ouvertures dans ta maison, pour toi, pour ta famille. De toute façon, j'ai des changements, j'ai des projets autant dans la maison, sentimentalement, et aussi pareil, ta famille. D'ailleurs, j'ai des décisions. J'ai vraiment tout ce qui, j'ai vraiment une belle réussite. On va beaucoup étudier, faire beaucoup de choses au niveau de la maison. On va faire des recherches, j'ai l'impression, pour un déménagement. J'ai des papiers administratifs qui vont encore plus t'amener sur une réussite. Et tout ça emmène beaucoup de changements. Tu tournes une page sur des choses au niveau de l'habitation. Il y a des choses vraiment qui changent. C'est comme si tu tournais une page, hein, pour redémarrer. Mais, alors ça arrive, hein, mais il y aura des choses à étudier qui vont mettre vraiment fin à des choses pour toi au niveau du domicile, familialement, il y a des projets qui changent. Et en plus, il y a une histoire de bâtiment. Ça va être très très long. On va pas trop savoir où ça va. Ça va être très très long. Signer des papiers, des choses comme ça, administratifs, des papiers de déménagement. Pour moi, tout ça va être très très long. Bon, là, j'ai un nom. Un homme de cœur, hein. Je le vois très enfermé. Il va tourner une page, voilà, mais il y a une histoire pour lui de bâtiment. Et il ne sait pas encore, on ne va pas trop savoir encore où ça va le mener. Je le vois très enfermé, isolé, un gros blocage par rapport à ce bâtiment. Et où il a, alors il a des amis, hein, il a des amis très fidèles, très loyal, mais il y a une histoire de cœur. Hein. Ils sont très proches, ces amis-là. Je vois que d'ailleurs, lui et puis les amis, il y a des décisions hein, qu'on va prendre. Mais on est très renfermé au niveau de son cœur. On est beaucoup dans la tracasserie. On est très perturbé. C'est pas trop encore où on va dans sa vie sentimentale. C'est pas trop encore. Hein. L'impression que lui et puis des amis et puis que ça soit ses amis ou que ce soit lui, ils ont beaucoup de rêves, d'envie, de buts, des choses qui tiennent vraiment à cœur, qu'on a envie de faire. Mais pour le moment, il y a cette histoire de bâtiment hein, qui, on ne sait pas encore où ça va mener. Et on est très tracassé, où on va l'être.
Et pour moi, ce monsieur de cœur, où il doit tourner une page pour pouvoir faire une nouvelle rencontre, ou alors il connaît déjà quelqu'un. Mais tant qu'il n'aura pas réglé cette histoire de bâtiment, il ne pourra rien faire avec cette personne à qui il tient. D'accord. Et moi, je vois au niveau du domicile, je vois toi, je vois ta famille, il va falloir prendre des décisions. Autant toi dans ton domicile, mais ça va avoir des répercussions familiales. D'accord? De grosses répercussions pour toi et sur ta famille, hein? Car il va falloir faire des papiers administratifs liés à ton domicile. D'accord? Des papiers pour toi, mais ça va toucher ta famille, des personnes de cœur. Et ça va faire beaucoup de peine à toi et à de la famille. De toute façon, à l'heure actuelle, dans ta maison et familialement, j'ai que de la peine, de grosses épreuves, de la tristesse, un fardeau pour toi, un fardeau sur ta famille. Et dans tout ça, là, à l'heure actuelle, que ça soit toi, que ce soit par rapport à tes proches, ça peut être toi, ça peut être tes proches, on ne sait absolument pas où ça va mener tout ça. Parce qu'en plus, il y a des décisions à prendre dans ton domicile liées à ta vie affective et familiale qui vont avoir de répercussions autant sur eux que sur toi. Et en plus, ça va engendrer encore plus de peine due à ces décisions. Mais, malgré ça, on veut du changement dans sa maison, dans sa vie familiale et amoureux ou amoureuse. Tout en sachant que les décisions que l'on va prendre vont faire de la peine. Mais on veut des ouvertures. On veut prendre ces décisions. On veut le changement. Mais on sait que ça va causer de la peine à des proches. Parce que dans le domicile, déjà, il est question qu'il n'y a pas proche de toi de sincérité. Il n'y a pas cette sincérité dans ta maison et des proches à toi, dans le cœur. Ils ne sont pas sincères, ou alors c'est toi qui ne l'es pas. Mais il n'y a pas cette sincérité, il n'y a pas cette loyauté. Il peut y avoir même des tromperies dans le domicile, famille, quelqu'un même sexuellement qui n'est pas fidèle à une personne. Moi, je vois quelqu'un qui va prendre les décisions, même si ça fait de la peine, même si ça fait un fardeau. Parce que il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la loyauté. Donc, on veut transformer des choses, même si on ne sait pas trop où ça va mener. D'accord? Après, on parle de tout ce qui concerne les projets. Maison. Projet dans le domicile. Projet maison. Projet famille. Projet lié famille et cœur. Là, le problème, c'est pareil. Il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas la fidélité au niveau même de la sexualité, dans la famille, dans la maison, en amour. D'accord? Et on me parle d'une femme. D'accord? Donc, soit c'est cette femme qui n'est pas fidèle, qui n'est pas loyale, qui, même sexuellement, qui ne l'est pas, soit c'est un homme. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a énormément de peine, qui vit ça comme le fardeau de sa vie. C'est quelqu'un qui porte un poids, hein, qui a que des épreuves dans sa vie, ou à cause d'un homme,
ou à cause d'une femme. D'accord? Et en tout cas, moi, je vois cette femme qui réussit, hein, c'est le soleil dans sa vie, mais en tout cas, elle peut être dans le soleil, il y a quelqu'un qui profite bien de quelqu'un, qui n'est pas sincère et qui n'est pas loyal. Dans tout. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord? D'ailleurs, alors, elle. Il y a elle, et puis je vois un homme à côté d'elle. Cet homme et elle, moi je vois le soleil, je vois la réussite, tout leur réussite. Mais un des deux n'est pas sincère à l'autre. Et l'autre n'en peut plus de sa vie. Donc il va y avoir une décision, parce qu'on n'en peut plus de tout ça. C'est un ou c'est l'autre. D'accord. Et, en tout cas, il y en a un des deux. Qui veut la sincérité, la loyauté dans une relation amoureuse. Et il y en a un des deux qui va donner des nouvelles à l'autre, qui va même aller rendre visite à une personne. Okay? Et tout ça, moi, on me parle que ça va arriver subitement pour l'un ou pour l'autre. Il y a une surprise qui arrive. Okay. D'ailleurs, il y en a un des deux, on me parle qu'il y en a un qui étudie une situation, qui prend le temps de le faire vis-à-vis de la femme ou de l'homme. Il y a une décision qui tombe, assez tranchante d'ailleurs, et irréversible. La personne ne va pas changer d'avis, c'est fini pour un pour l'autre. D'accord? Il y a quelqu'un qui a, même au niveau, hein, qui épuise une personne, au niveau de son énergie, au niveau de sa santé, hein, vraiment, on épuise une personne. Hein. Donc, il y a quelqu'un vraiment qui veut changer ça. D'accord? Qui veut tourner une page, qui n'en peut plus, qui est épuisé. Donc, quelqu'un vraiment qui va tourner une page sur un homme ou une femme. OK? Mais il y en a un des deux qui va ralentir l'homme ou la femme. Hein, qui va ralentir l'homme ou la femme. La femme, elle a des projets. Elle a des projets, elle va vouloir ralentir le monsieur. Hein, elle a des projets sur lui de le ralentir au niveau financier. D'accord? Elle va tout faire pour le ralentir dans ses projets et je vois qu'ils vont beaucoup se disputer, ils vont énormément batailler l'un et l'autre, d'accord? Parce que lui, il a un projet dans sa tête également vis-à-vis d'elle au niveau financier et beaucoup de lenteur, mais c'est elle qui va ralentir. Là, j'ai ce bâtiment. Et ça va épuiser. Ça va épuiser, ça va user, parce que ça va être très très long. On va ralentir, il va avoir une lenteur pour clôturer un dossier. Parce que il y en a un des deux qui a vraiment un projet financier sur ce bâtiment et on va absolument vouloir ralentir l'autre. D'accord? Du coup, il y en a un des deux qui, comme ça va être très très long, moi, pour moi, c'est la femme qui va ralentir l'homme. Ben, l'homme, il voit pas le bout de sa route, quoi. Il sait, il voit pas où il va.
Parce que elle va beaucoup le ralentir au niveau de ses projets sur lui vis-à-vis de l'argent et de ce bâtiment à régler. D'ailleurs, elle a des plans dans sa tête. Il y a une mauvaise surprise qui va arriver, qui va encore plus ralentir. Elle veut le miel à monsieur. Ah, elle veut le miel à monsieur. Donc, elle va tout faire pour le ralentir avec le bâtiment. Ok? D'ailleurs, monsieur de cœur, bon, lui aussi, il a des projets vis-à-vis de ce bâtiment, de la ralentir à elle aussi, selon ce qu'elle va faire. D'accord? Donc, la guerre. Parce que, on parle de mauvaises surprises de part et d'autres, ils vont se ralentir mutuellement. Ils vont se renvoyer la balle et l'ascenseur, quoi. Puis, évidemment, il y a le côté serpent de la femme, là, qui va ressortir. Hein, elle va dire, ah ouais, ah, tu me fais ça. Ah, tu me fais ça. Eh ben moi, puisque tu veux pas me donner ça, moi je vais te ralentir. Tu vas voir la bonne surprise que je te réserve. Tu veux jouer? Eh ben, on va jouer. Je vais encore plus te prendre la tête. Je vais encore plus te rendre les choses difficiles, mon ami, je te le dis. Et elle croit vraiment en sa chance vis-à-vis de lui. Donc, on va vouloir trouver une solution. Je vois quelqu'un qui va vouloir faire ses papiers, ses démarches, qui va prendre une décision pour une maison, dans la maison. Mais quand la personne va vouloir trouver, avancer et faire ses papiers, ses démarches, tac! Il y a quelqu'un qui va essayer de te bloquer et de te ralentir dans tes projets, dans tes démarches administratives pour ta maison. Hein? Au niveau de tes décisions, ça s'appelle changement de domicile aussi, parce que ça, on m'en parle. Mais il y a quelqu'un qui va pas être d'accord par rapport à la décision que toi, tu vas vouloir prendre. Pourquoi? Pour l'argent. D'accord? Ça ne va pas passer. On parle aussi d'une maison près d'un point d'eau, ou d'un appartement près d'un point d'eau. Il peut y avoir aussi des collines, des montagnes, des choses comme ça. Et puis, on va essayer de... Tu vas prendre aussi des décisions concernant vraiment... Les décisions sont énormes. C'est une grosse... Tes décisions sont un gros changement de vie. D'accord? Donc, beaucoup de changements dans tes décisions qui sont énormes dans le changement, mais aussi au niveau d'enfants. Hein, enfant. Donc, cette personne va aussi essayer de te bloquer, de te ralentir. Il va falloir que tu montes des montagnes pour aller sur un changement de vie, aussi pour des gosses. Parce que la personne, elle pense aussi pouvoir te bloquer dans des gros changements de vie et aussi liés à des enfants. Mais c'est tout ça, c'est lié à des projets liés à de l'argent. À la personne dans sa tête. Okay? Uniquement à but financier. C'est pas, on s'en fout des enfants. C'est pas, on s'en fout. C'est juste la personne qui veut te bloquer pour l'argent. Dans tes décisions. Mais la personne pense avoir, moi je suis Dieu, hein. Alors moi je suis Dieu, je bloque les décisions. Je ralentis tout. Non, tu déménages pas. Ou non, on vend pas la maison ou l'appart. Non, mais la personne, c'est pas lui ou elle qui décide. Il y a des personnes qui décident à ta place. C'est pas, il n'y a pas que vous. Donc pour moi, ça ne durera pas tout ça, ce blocage. Mais au niveau de ton domicile, des personnes proches de toi, il va avoir beaucoup de peine parce qu'il y a la naissance vraiment d'un gros changement dans ta maison déjà. Tes proches et sentimentalement qui vont faire beaucoup de peine parce qu'en plus il y a des choses qu'on saura pas de suite au niveau de changement de ta maison,
des personnes que tu aimes, ça peut être des enfants, et on ne saura pas de suite où ça va mener tout ça. Dans ces gros changements, les enfants. D'ailleurs, là, j'ai des projets. Concernant les projets liés au cœur, j'ai de la peine. Des grosses épreuves. Et on est bloqué. Parce qu'on ne sait pas encore où ça va mener. Au niveau du domicile. Parce que tu as des personnes qui sont pourries près de toi. Excuse-moi le mot. Donc tu ne sais pas encore où tu vas. On veut te bloquer et on veut te ralentir. Ça, je dirais. Parce que proche de toi, je suis bien désolé. Déjà, proche de toi, ces personnes, cette personne-là qui pense pouvoir te ralentir et se prend pour Dieu, c'est quelqu'un de rusé, de malin ou de maligne, même au niveau des gosses, et attention aussi aux gosses. Hein? Attention aux gosses, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se serve des gosses pour te ralentir et te faire pitié ou te faire de la peine. D'accord? Il n'y a aucune sincérité, et puis ça parle, et puis, ouais. Puis le changement va arriver, hein, moi je te le dis, hein, ça va pas rester comme ça. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de cancans, beaucoup de commérages. Hein, cette personne ou ces personnes-là, ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Donc ça va beaucoup parler de cette personne, hein. Là, cette femme, je la vois, je vois le triomphe pour une personne, je vois une femme très contrariée, je vois beaucoup de cancans, je vois beaucoup de conversations, et puis c'est comme si on étudiait, ou qu'on cherchait des infos, pour prendre des décisions dans le travail, je vois vraiment des projets, des fourberies, des choses comme ça, d'accord? Donc là, j'ai des décisions assez tranchantes qui vont tomber. Trop de manipulation, trop de ruses, hein, autour de certaines personnes. Elles, au niveau projet de cœur, sentimentalement, il y a des choses qui vont s'arrêter brusquement. Hein. Mais alors, fauchement pour elles ou pour un homme près d'elles. Hein. Moi, de toute façon, j'ai elles, j'ai l'homme, j'ai des choses à la fin de... C'est la fin de... Il y a des choses qui vont arriver, des nouvelles, des infos à une personne, de la communication qui va mettre un terme à quelque chose entre eux. Donc, paf, 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 des nouvelles, on apprend des choses et on coupe une relation. En plus. J'ai l'impression qu'il y a trop de manipulation aussi dans le cadre pro. Je vois des femmes qui parlent que d'argent, que de biens, que de richesses. Voilà, que de ça, que de ça, que de ça. Elles sont dans la manipulation. Et je vois qu'il y a des choses qui vont s'arrêter assez tranchamment dans des dans de la dans les cancans, dans des machines comme ça. Là, on me parle de la fin d'une lenteur, d'une forme de bataille dans le cadre professionnel pour des personnes prennent fin. On coupe des liens professionnels. Ouais, et puis au niveau professionnel, est lié à l'argent, hein, des femmes entre elles, hein, où on parle des cancans, des machins comme ça. Hein. Cet homme-là, lui aussi, il y a une mauvaise surprise, ou pour lui, ou des personnes avec qui on bosse, il y a des liens professionnels qui se coupent, hein, des choses qui prennent fin dans le travail. Et puis là, cet ami, lui, où il va prendre des décisions. Je vois cet ami qui prend des décisions. Il y a vraiment une mauvaise surprise pour certains amis à lui qui sont là que pour l'argent. Hein, ils sont là que pour l'argent. Et s'il n'a pas d'argent, il serait pas là, en fait. Donc, je vois vraiment qu'il va regarder la fidélité de certaines personnes
qui le sont ou pas, parce que sur lui, franchement, il y a des amis qui l'aiment pas, en fait, hein. Ils l'aiment pas et ils se servent de lui, quoi, en fait, hein. C'est le truc, ouais, moi, je te fais toujours des cadeaux, patati, mais ils se servent de lui, quoi. D'accord? Ils le manipulent. Lui, je le vois très stable, très ancré dans sa vie, vraiment une stabilité. C'est un homme de cœur, très ancré, très attachant, un homme très, très fidèle, un homme qui veut une relation stable sentimentalement. Mais, ou c'est lui ou quelqu'un vis-à-vis de lui, a de mauvaises idées, de mauvais projets, des mauvaises idées en tête. Sur le plan d'une relation amoureuse, je vois beaucoup de méchanceté proche de lui sentimentalement. On pense très mauvais de lui ou inversement dans une relation sentimentale présente ou à venir. J'ai quelqu'un de très chanceux qui réussit tout ce qu'il fait, mais on n'est pas épanoui. On n'est pas épanoui. Non. Donc là, j'ai un contrat. On va vouloir bloquer cette personne dans ses décisions. D'accord. Mais moi, il y aura le déblocage. D'accord. J'ai d'ailleurs... On se débloque de ce contrat-là. J'ai des papiers. La personne ne gagnera pas. D'accord. Personne trouve une solution, se débloque, hein, d'accord, de ce contrat lié à de l'argent. Donc, autant le pro que le sentimental. Il y a une histoire aussi d'enfants, de personnes ou alors de personnes jeunes, hein, mais il y a le gros changement. Il y a le gros changement où on se débloque de ce contrat, hein, et du coup. J'ai quelqu'un qui va faire un gros changement, qui va faire prendre une décision, ou quelqu'un qui va faire un déplacement. Je vois que il y a quelque chose en lien avec de l'eau. On va vouloir signer quelque chose près d'un point d'eau, on prend la décision. Il y a un changement dans ce contrat. On va avoir vraiment une stabilité. On va être bien, bien ancré. Mais on va prendre les bonnes décisions. Parce que on va avoir peur qu'on te bouffe des choses. Tu vas avoir peur qu'on vienne te manger ce que tu possèdes déjà. Dans le travail, hein, parce que je vois qu'on va vouloir manger ton PQ et tes pâtes. Donc tu vas te protéger de tout ça. Je vois des gens qui vont pas apprécier tes changements, hein, tes changements dans ce contrat pro, mais aussi sentimental. Hein. Je vois je vois quelqu'un là qui va arriver. Et qui va vouloir bouffer ton PQ, ton miel et tes pâtes. Donc toi, tu vas te protéger parce que tu vas pas vouloir qu'on mange ton PQ et tes pâtes. Hein. Toi, tu vas pas te laisser faire. Tu vas pas aimer. Hein. Tu vas pas du tout aimer qu'on vienne manger ton PQ ou ton fromage hein, hein, dans le travail, même dans ta vie privée. Protéger un max hein, de ces gens-là. Et je les vois, eux, là. Ou elle, ou il, masculin, féminin, un, plusieurs. Toi, je te vois au niveau de tes projets, que ça soit ta stabilité professionnelle ou sentimentale. Nickel. Nickel chrome. Mais je vois des gens, une ou plusieurs personnes, qui, vis-à-vis de toi, de ta stabilité professionnelle,
toutes les décisions que tu prends, pro, financière, sentimentale, je vois ces gens vis-à-vis de toi qui sont pas dans la même optique que toi, ils sont pas sur le cœur. Eux, t'es des renards ou des renardes qui n'ont aucune loyauté, ni une fidélité, ni dans le pro, ni amical, ni sentimental. Ils pensent qu'à eux, donc reste sur tes gardes et garde bien ton miel à l'abri. D'accord? Fais très attention. Et puis, je vois quelqu'un qui est dans le triomphe et on va parler beaucoup, de certaines femmes ou de certains hommes. Ben, pourquoi pour lui que ça marche? Pourquoi pour moi ça marche pas? Punaise, elle a tout ce qu'il faut, elle a son papier cul, elle a ses réserves de pâtes, et nous, pourquoi on n'a pas? C'est pas normal, c'est pas juste. Bon. Ah, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout lui voler. Ah, on va tout lui voler ou tout lui détourner. Hein? Bon, mais toi, tu le sais tout ça. Donc toi, tu vas protéger ton papier cul et tes réserves de pâtes. Okay? Bon. Et toi, tu sais aussi qu'il peut y avoir des choses qu'on peut dire sur toi, ou des écrits qu'on peut faire sur toi, ou de mauvais commentaires sur ton travail, pour que ces personnes, elles veulent manger ton PQ, récupérer toutes tes réserves de PQ, tout ce que tu possèdes et tout ce que, qui peut venir à toi, parce que ben, ils veulent que, si on fait ça, transformer des choses à leur avantage et pouvoir avoir davantage de papier cul, de bananes, de pain et tout ça, et que toi, ben, tu n'es plus rien. D'accord? Et on peut essayer aussi de toucher le cœur des gens, ces gens-là, cette personne, ces personnes-là. D'accord? Des choses comme ça. Et cette personne ou ces personnes qui piaillent, réserve de tout ce que tu possèdes, tout ce qui peut arriver à toi, il y a des choses qui vont qui vont être assez, s'arrêter assez fauchement. Par rapport à des choses, ben, qui veulent te voler tout ce que tu possèdes. Hein. Ça va s'arrêter assez fortement pour une personne ou plusieurs, hein, tout dépend. Et voilà. Ça écrit, ça fait des choses, et machin, bidule. Ils veulent ton PQ, ils veulent ton pain, enfin des choses comme ça. Il y en a, ils sont trop dans de l'illusion, trop dans la rêverie, par rapport à des choses qu'ils pensent pouvoir faire, des choses comme ça, hein. Donc voilà, ben je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.